Salut les potos, ici chez ODK Gaming. Cette fois c'est pas dans le gaming, cette fois-ci j'ai décidé de faire un vlog pour montrer un gala spécial sur Saint-Tropez à la Citadelle. Ce qui se passe ce soir même quoi. Et je suis un peu essoufflé. Bah, en vrai c'est un genre de gala qui présente un combat. Sur combat d'arts martiaux qui est composé de Kawan Rule et de Muay Thai. Disons que c'est un championnat du monde composé de plusieurs grandes pointures de combattants. Et voilà. On se dit à tout de suite. Aïe aïe aïe. Ça y est, direct à l'intérieur. À voir le combat. Combat de Muay Thai en 3 rounds de 3 reprises chez les moins de 69 kg et 100 grammes. Dans le coin rouge, il vient de Russie, il a 30 ans, mesure 1m69, avec son palmarès 27 combats pour 23 victoires. Evgeny Kourashko! Son adversaire dans le coin bleu, il vient d'Ouganda, Umar Semata, il a 30 ans, 1m79. Avec 76 combats et 42 victoires à son palmarès, Umar Semata. Ouais. Combat dans les règles du Muay Thai, arbitre de la rencontre, l'arbitre international, monsieur Xavier Lafaille. Premier round. Musique.
Fin du second round. Troisième round. Thank you.
Fin du combat. Un mètre 88. 20 combats. Et 18 victoires. Allez, on l'appelle Michael Chalik. Michael Chalik. Qui nous vient tout droit de Russie. Philippe Verlinden, le Belge. On rappelle qu'on est dans la côte de la
catégorie des 96, plus de 96 kilos. Combat dans les règles du kickboxing en 3 reprises de 3 minutes chez les 96 kilos 600 grammes. Dans le coin rouge, il vient de Russie, 34 ans, 1m88, avec à son palmarès 20 combats pour 18 victoires. Mikhaïl Chalik. Son adversaire dans le coin bleu, il vient de Belgique, il a 31 ans, mesure 1m92, avec à son palmarès 80 combats, 61 victoires, Philippe Verlinde. Arbitre international de la rencontre, monsieur Gabriel Larufa. Première ronde.